Frère Maxime, grâce et paix, bon Dieu, avec nous. La paix, bon Dieu, avec nous. Et moi, je connais ça, pas fait nous plaisir. Le nous commence ces messages-là sans pas gagner un petit musique là-dedans. Mais il arrive que cet an dernier, quand pile la musique que je choisis, et nous connaissons que moi, publié message sur YouTube. Donc, copyright. Musique ça, au droit d'auteur, accusé que m'utiliser des choses qui que me pas autorisation, donc m'in censé avec précaution pour qu'on pour m'a chercher qui musique que m'a mettre pour commencer message. Ça pas mettre un problème, mais c'est seulement un petit avertissement parce que musique que m'a pas prendre pile là-dedans, c'est juste un commencement pour m'introduire message. Mais toutefois, nous avons besoin de ça. Donc, il arrive que je dis un message là, pas gagner musique là-dedans. Pendant que mon cap vive en Amérique du Nord, particulièrement aux États-Unis d'Amérique, n'a fêté, nous sommes fêtés, ça aurait les Thanksgiving, il y a un moment que mon choisit pour dire mon Dieu merci, on sont fêtes d'action de grâce. On fête d'action de grâce que le monde entier pas obligé de fêter là, même époque, mais au moment privé, eh bien, quel que soit le peuple là, ils prennent pause pour le cas dit mon Dieu merci. Et ça, c'est sous une échelle nationale, mais elle t'a supposé dans la vie, nous, en tant qu'individu, en tant que petit bon Dieu, l'est nécessaire à ce que nous prenions le temps nécessaire pour nous, l'est nécessaire à ce que, I'm sorry, pour nous prendre le temps. Pour nous dire mon Dieu merci. Merci, pas seulement dit le bagay là, son bagay extraordinaire. Il y a un monde qui gagne bonne manière, et bien il te met, quel que soit sa lien, les toujours qu'on est pour le remercier ou les le recevoir. Il pas attendre que c'est leur son cadeau extraordinaire. Mais nous pourrons choisir un verset pour nous dérouler le message que nous gagnons pour aujourd'hui. Hein. Tout d'abord, nous abdou merci. Tant qu'on nous fait chaque vendredi, nous voulons dire merci pour l'évangile qu'on quitte rentré la caillou, que parole qui nous partager avec vous. C'est très peu de monde qui gagne disposition ça. Mais si vous parmi monde qui est toujours intéressé encore à la parole, eh bien, tant qu'on toujours dit bon Dieu merci parce que c'est une grâce que c'est. Ce n'est pas tout le monde qui gagne des oreilles pour l'évangile. Amen. Gagner des fois, nous joignent des choses qui très lourdes, très pesantes, qui retirent joie au monde. Eh bien, en tant qu'humain, nous pouvons comprendre ça. Mais nous gagnons un verset, côté que prophète Habacuc, un prophète qui a constaté violence qui existait. Côté que le peuple judéen a agi en façon qui est réellement en dehors de la volonté de Dieu, eh bien, le prophète l'a pris le temps de l'analyser, il l'a adressé à l'Éternel pour le dire, jusqu'à quand, qui leur a été revenu? Souvent, on a demandé, mon Dieu, qui leur que la bonne décision, parce qu'il y a des bagailles qui très mal, nous, qu'on a constaté, puis nous dit, mon Dieu, est-ce qu'on a dormi pour qu'il soit méchant, qu'il pouvoir pour le faire ça toujours? Eh bien, bon Dieu, gagne le lit. Il gagne le lit. Il était fait pour faire en promesse. Et dans chapitre 2, il rappelle l'île encore, il dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne se mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Donc, il était réassuré, prophète, là, que prophétie en là, mais sont question de temps. Sont question de temps parce que les gagnants pour le mettre l'ordre dans des ordres. Mais, partie qui est importante, comme je voulais attirer l'attention aujourd'hui, hein, c'est dans fin vers et chapitre 3, côté que prophète l'a dit, toutefois, parce que il fait la somme de ses malheurs, de ses souffrances, et puis à la fin, il dit, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux
me réjouir dans le Dieu de mon salut. Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Qui ça a montré nous là? C'est que malgré le prophète là étalé devant l'Éternel, souffrance li, malgré l'été bas impression que le fatigué parce qu'il fait longtemps pour demander mon Dieu justice, pour que la situation soit capable de changer, mais nous constater que jusqu'à la fin, la réserve li, il arrive à dire que malgré la situation comme ça, il dit je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Joie ou m'a pas qui côté le sorti. Mais si joie ou pas sorti dans l'Éternel, tant qu'on me dit ça déjà dans un message, par contre, combien de temps depuis que j'ai fait le sorti, mais si joie c'est pas dans l'Éternel, des armées que le sorti, eh bien, il est temporaire. Parce qu'il est capable de changer à n'importe quel moment. Si joie dépend de circonstances qui entourent, il est capable de ses situations financières, il est capable de ses choses qu'on possède, il est capable de ses santé, il est capable de ses être cher, et en pile qu'on perdu, en pile choses capables de retirer joie. Capable on matin seulement levé, bagaille changé. Mais le joie où c'est dans l'Éternel des armées que lié, eh bien, ou capable répondre même Jean avec Habakkuk. Ou dit que vous voulez réjouir en l'Éternel. Le Dieu de ton salut. L'important à ce que nous reconnaissons ça, assez souvent, nous joignons des croyants qui ont une impression que c'est qu'on est bête en Haïti ou il est agrément, on bête qui qu'on change de couleur, et bien je dis à un jeune monde avec une attitude, et puis demain, un jeune, il est tellement down, il est tellement une dépression qui envahit, parce qu'il a fait face à une situation. Oui, c'est humain. Mais pendant que il a fait face à une situation, en tant que croyant, nous supposons jouer dans la réserve, non? Assez de foi, et c'est pas seulement pour nous chercher dans la réserve, il doit un bagage tout à fait naturel. Parce que l'on dépend de Dieu, hein, joie ou pas sorti à partir de bagay qui entoure, ou circonstances qui ne sont pas supposées affecter à ce point. Il n'y a pas affecter parce que c'est humain, mais joie ou c'est dans l'Éternel que lié. Une fois que vous gagnez contact ça, et bien malgré l'adversité, parce que nous traversons un moment là qui est très difficile, nous gagnons une pandémie qui envahit le monde entier, aux États-Unis actuellement, eh bien, nous perdons près de 2000 monde par jour. 2000 monde mourir par jour, son paquet, son grande quantité. Et au dit, dans le jour qu'on va le venir, nous allons atteindre un chiffre qui est plus élevé. Nous avons perdu même jusqu'à 4000 monde par jour. Pendant que près de 25 000 monde déjà mourir, quantité a fait que augmenter. Plus que 25 000 monde. Donc, nous devons gagner yon attitude qui paraît avec le prophète là. Côté que nous capables de dire, joie nous c'est dans l'Éternel lié. Joie nous pas sorti dans circonstances, pas sorti dans comment bagay yoye. Oui, c'est des faits que nous avons gagné pour nous faire face avec eux. Mais à pas sortir de là, c'est une réalité. Même vous parler d'un joie qui est quelque chose d'intérieur parce que c'est différent. Si on trouvait yon bien-être dans les choses extérieures, choses matérielles, ce n'est pas cette joie que je parle, ce n'est pas cette paix. Parce que ça a le caractère spirituel, c'est intérieur. Il n'y pas dépend de circonstances. Donc, l'important est à ce que nous sommes capables d'établir la différence là, et puis pour nous sortir d'un principe, principe que nous avons pensé, que nous avons là d'en avant, pour nous venir adopter principe, ça a tout neuf. Côté que nous dépend de l'Éternel pour que nous en joie. On madame pas capable de faire joie. On mari pas capable de faire joie. Petit tout pas capable de faire joie parce que c'est des choses temporaires et des choses qui appelées à changer.
mais l'Éternel gagne yon fidélité qu'on capable ou capable dépendre de lui à tout moment, même leur malade, même leur fait face à des difficultés, même leur la vie a mal mené ou perd du travail ou gagne tout genre de choses qui arrivent, eh bien l'Éternel li là en réserve ou qu'a dépend de lui, c'est là que joie supposé sorti. Dans Somme 16, verset 10, nous lit, dans verset 11, nous lit, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Une fois qu'on est capable de rester en présence, bon Dieu, eh bien, les supposés mettent joie dans le cœur. Ça, c'est une promesse qu'on peut compter sur lui. On est capable de compter sur lui. Ou pas qu'on ouais, ou pas que j'en fais face avec des gens que même le monde n'a ses 50 cobs qui en poche. Mais comme on est tellement toujours content, on vient à demander est-ce que le monde est sans honte lié. Ce n'est pas sans honte lié. Le monde est une joie que bon Dieu met dans le cœur. Que content le pas sorti de combien cobli gen dans poche li. Que content le pas sorti de yon nouvelle voiture que le soda a acheté. Li gagne yon joie et joie ça, c'est pas une joie qu'on ka comparer avec pièce rien qui sous terre parce que le vini directement de Dieu. Amen. Il y a d'abondante joie devant ta face, des délices éternels à ta droite. Des délices éternels à ta droite. Tout à l'heure, je t'ai parlé des circonstances. Des circonstances éphémères. Parce que la situation n'est pas stable, n'est capable de changer à tout moment. Quand on a pris dans direction et puis une vague qui passait, il dérangeait la vie de ça. Mais, joie, une fois que vous êtes dans la présence de Dieu, et bon, qu'a répété même Jean avec Salmissa, ou capable de dire qu'il y a d'abondante joie devant la face de l'Éternel, des délices éternels à ta droite. C'est lui que vous cherchez en tant que croyant. C'est ça seulement oui, qui joie, ou c'est lui qui fait tout ou même. Oui. Une joie qui vient de Dieu, parce que, tant qu'on me souhaite répéter, tant et aussi longtemps que le dépend des circonstances ou des choses qui connectent où, eh bien, il y a changé. Madame n'a qu'à lever au matin, elle quitte en lettre pour, ou sur le travail, ou j'en ai lettre sur la table à Captain, ou qu'elle la vide. Liberté, l'aller. Marie n'a qu'à sortir, elle n'est pas rentrée. L'aller, c'est tant d'autant d'elle à l'habitant de l'autre côté. Autant de choses qui sont capables de renverser la vie ou du jour au lendemain. Mais la fidélité de Dieu, c'est ça qui fait quelles que soient les circonstances, mais on suppose lever en l'air pour glorifier notre bon Dieu, mais on suppose en l'air pour dire bon Dieu merci, parce que compassion ça, fidélité ça, c'est la caille seulement qu'on a retrouvé. Ou pas joindre l'autre côté. Habacuc, tu as perdu patience. Son livre qui est tellement court, il peut prendre même 3 minutes pour lui. Mais sous lui, il va prendre compte qu'avec violence, la persister pour demander à mon Dieu qui la violence ça a suspendre. Parce que la demande à mon Dieu, justice, ça a me trouvé le traîner. Est-ce qu'on pas mon Dieu encore? Pour qui ça le prend tout le temps ça? Assez souvent, nous n'avons pas réalisé que des saints mon Dieu, hein, voilà, pensez-le et plané différent de panneaux. Il a insisté assez souvent ou insisté vraiment. On m'a dit mon Dieu mec, pour qui soit pour qu'on a fait tel bagage pour moi. Il faut qu'on en plane, mais le arrivé tant qu'on le dit que son prophétie, hein, qui déjà le a déjà marqué, même si elle tardait, mais l'a fait quand même. Pas qu'on est si bon Dieu faire une promesse, pas qu'on est sous une promesse qu'on obtient. Mais on bagaille pour qu'on est, c'est que s'il vient de l'Éternel, eh bien, les papes qui mentent la donne, ils gagnent pour arriver quand même. Amen. Depuis c'est bon Dieu qui t'est fort pour mes là, ou mettre couché, en paix,
ce n'est seulement qu'une question de temps. Le lieu arrivé, tout bagage population. Parce que ou même pas capable changer la volonté de Dieu. Bon Dieu déjà a gagné, il gagne un schedule, il gagne une façon de faire qui est différent de vision par où, ou même dans attente ou vienne peu impatient, ou pas qu'attendre encore, ou t'as aimé que le fait, et le fait qu'on y a, c'est la nature, non. C'est l'homme. Bon Dieu dit Habakkuk, rétend. La fête quand même. Donc, le Habakkuk réfléchit, les fins de parole, ça, de l'Éternel, qui dit que, quelle que soit la situation, restez calme, ma kembe promesse que me faut là, sont question de temps, la fin pas arriver quand même. Et puis, Habakkuk retrouve le nom joie. Hein? Il dit que l'œil devant la face de l'Éternel, c'est là que le jeune joie, l'on joie éternelle. Il vient réaliser que pas capable d'attendre ces circonstances changer pour qu'il puisse joie dans le cœur. Parce que la situation, ça a longtemps. Le peuple, ça a rentré dans un état de méchanceté, de violence. Hein? Il ne peut pas reconnaître le peuple encore. Il ne peut pas reconnaître le peuple. Même toute loi Moïse était établie, le peuple a mis toutes des têtes. Et puis, il a fonctionné, il a vu un plus méchant. Donc, il arrive au point, ça a été tellement affecté, il a persisté pour le dire éternel, combien de temps la prend avant que vous décidez pour prendre action contre le peuple? C'est pas maintenant le but pour bon Dieu te détruire le peuple là, non? Mais Habakkuk t'attend que bon Dieu redresse le peuple là, peut-être inviter le peuple là à changer de voie pour qu'on soit capable de prendre direction, pour qu'on capable de quitter méchanceté de côté. Frère Maxime, dans le moment que nous vivons là, dans le temps difficile ça, et tant qu'on t'a annoncé déjà, l'homme t'a fait exposer sous Apocalypse, nous t'a dit que c'est commencement. Événement. C'est pas pour vous faire peur, mais situation yo, eh bien, y a empiré avant que yo ta vienne, qu'on dit parole là, avant yo ta vienne mieux, eh bien, n'a passé des moments réellement difficiles. Nous gagnons pour aller à la rencontre d'un série d'événements qui a venu et nous pas gagné que nous qu'a fait contre ça. C'est là qu'on a besoin de la présence de Dieu. C'est seul bon Dieu qui a pas au courage avec directive dans situation ça. Mais vite aujourd'hui hein, pour capable faire même j'ai avec prophète là. Pas avec bouchou mais du fond du cœur pour capable dire que c'est dans l'Éternel moi joindre courage moi, c'est dans l'Éternel moi joindre joie moi. Joie me balote côté. Moi joindre joie l'homme dans présence devant la face de Dieu. Pour faire la réaliser qu'il y a des délices à la droite de Dieu, des délices éternelles. Ça veut dire que ce n'est pas des choses qui ont changé. Ce n'est pas des choses qui ont changé, même Jacques circonstances qui ont changé. Ça a son état stable, con stabilité. Et c'est ça qu'on a besoin dans la vie. C'est belle bagaille, oui. L'arrivée, l'atteindre niveau, côté que ce n'est pas les circonstances de la vie qui mettent un sourire sur le visage, ni qui mettent la peine en cœur. Mais c'est quelque chose que les hommes pas kawé. Il a posé question. Comment on fait pas tomber? Comment on fait là toujours? Comment on fait chanter toujours? Qui côté joindre joie ça? Eh bien, joie ça, c'est seul l'Éternel qui est capable de mettre là que monde qui cherche. Parce que le dit monde qui cherche et qui cherche à tout cœur, eh bien, il a rencontré avec lui, il a besoin avec lui. Habakkuk t'a réalisé ça. Il était suspend plein, qu'on dit mon yo. Suspend à insister pour bon Dieu pour ton changement dans la situation. Hein? Parce que il connaît, malgré que les circonstances sont pas bon, mais il dépend de la joie qui vient de Dieu. Et c'est joie ça m'invite au matin pour gagner. Soit regarder ces circonstances, découragement prend ou pas qu'à continuer. Ou pas qu'à regarder ces circonstances parce que nouvelle yo pas bon.
Mais si j'aurais été fixé sur l'Éternel, si ou en relation, en communion avec lui, eh bien, déposer de joie ça que l'a fait dans le cœur là, eh bien, ça va avoir assez d'énergie, ou qu'à puiser assez d'énergie, ou à gagner espérance, ou à gagner la foi pour qu'à continuer le chemin. Amen. Mais ça, je dis pas long, parce que me connais en pile dans nous, surtout mon cap vivre aux États-Unis, nous avons un week-end, côté que tout le monde est fatigué, mon cap voyager, mais étant donné que nous faisons message à sortie chaque vendredi matin, même si vous voulez, ben nous avons un mot d'encouragement, parce que pendant que mon cap fêter, mais mon vu les circonstances de la vie, et bien que vous pas content. Et même vindou matin, hein, quel que soit notre pays qu'on va vivre, il y a pile possibilité qu'on lever ou à faire face à des difficultés. Mais rappelez-vous que sous chercher tout bon, ou à besoin une joie, on joie que c'est dans l'Éternel seulement qu'on va retrouver. Bah, circonstances d'eau qui tes yeux fixés sur l'Éternel. La remplit cœur avec allégresse, ou à besoin de délices. De son côté, l'a toujours là pour le remplir cœur. L'a fait partie par là. Ou même si chercher lui, chercher présence lui, était en communion avec lui. Amen. Et mes frères Max Moyo, c'est comme ça que nous avons terminé avec le message de matin. Tant qu'on nous fait chaque vendredi, demandez à ce que la grâce et la paix de Dieu accompagnent vous. Restez dans la parole, restez dans la prière. Que bon Dieu continue à bénir, bénir famille, et quelles que soient les circonstances, c'est bon Dieu qui baille la joie. Restez avec la paix. La paix, mes frères et sœurs.